très fier et très honoré. Après, voilà, moi, j'ai, une fois de plus, je ne l'aurais pas réalisé tout seul. Donc voilà, c'est l'occasion de remercier mes camarades qui étaient présents ces deux week-ends-là et ceux qui ont compté depuis 7 ans surtout, parce que ça ne s'est pas fait en une année, en une saison. Et donc voilà, merci à eux. Et effectivement, je suis très honoré et très fier, même si, une fois de plus, ça reste anecdotique, quoi. Je me suis dit, si j'ai l'occasion de lui offrir le centième, je le ferai parce que c'est notre capitaine, c'est le joueur, c'est un joueur exemplaire, quelqu'un qui mérite d'être honoré, même si c'est juste de la performance individuelle, des statistiques. J'avais envie que Terry y arrive et assez vite, parce que voilà, pour tout ce qu'il représente. Donc c'est vrai que sur le coup, c'est une course de soutien. Jérémy fait une belle percée, il me serre et j'arrive dans l'embute. J'avais dit à Terry, pour rigoler, si je suis dans l'embute, dépêche-toi d'arriver, j'essaierai de te la donner. Et immédiatement arrivé dans l'embute, je me tourne, je vois qu'il est pas trop loin, je vois aussi qu'il y a un défenseur entre nous, et du coup il a fallu ruser un petit peu avec les poteaux, et je dois dire que je suis assez fier de lui avoir offert ce centième essai, parce que Terry, c'est un bosseur, c'est un gagnant, et quand on peut faire une offrande, puisque c'est comme ça qu'on appelle une passe décisive, faire cette offrande, j'en suis plutôt fier. Des fois, le rugby nous offre des moments comme celui-ci sans être un peu trop, sans jouer trop les violons. Non, je lui en remercie, c'était beau, c'était fort. Et donc voilà, quand ça se présente, on en profite. Et voilà. Well, he's gifted it to his friend for a very special moment. Well, there we go. The offload then to Thierry Bourgeois, Julien Candelon, obviously with a sense of history being made here. And Thierry Bourgeois claims his 100th try.